Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Job My Truck. Alors nous allons passer la journée avec Stéphane, un conducteur d'un Volvo FH, des transports Piron et qui sont spécialisés dans le transport de vrac. Et aujourd'hui, c'est des céréales. Allez, je vous invite à nous suivre, c'est parti. Voici à bord donc du camion de Stéphane, son Volvo FH de 500 chevaux. Merci de nous accueillir à bord, Stéphane. Ouais, bienvenue. Alors, en quelques mots, ton parcours, ton expérience et comment tu es venu à ce métier de conducteur routier. Bah, moi, j'ai été dans une école des routiers, du coup, à partir de 16 ans. D'accord. T'as un cursus scolaire. Voilà, classique, jusqu'au CAP, BEP, après conducteur routier. D'accord. Donc du coup, j'ai passé mes permis donc au lycée et à 18 ans, en ayant eu le CAP et le BEP, j'ai eu mes permis et ma FIMO du coup pour pouvoir commencer à rouler derrière. Oui, transporter des marchandises. Exactement. Et alors, ça fait combien de temps que tu fais ça, tu m'as dit ? 18 ans. 18 ans maintenant. 18 ans, ouais. Et tu as commencé directement chez les transports Piron ? Non, j'ai travaillé 3 ans chez les transports Guinel. Ah, d'accord. Voilà, dans le meuble. Oui. Dole de Bretagne. Dole de Bretagne, ouais. Exactement. Ah, oui, je connais bien. D'accord, ah, oui, tu étais dans le meuble avant. Dans le meuble, ouais. J'ai travaillé 3 bonnes années et après, Monsieur Piron m'a pris dans son entreprise. Donc pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as réservé ? Ça va être quoi le programme ? Bah là aujourd'hui, on va aller vider dans la coopérative à Montauban de Bretagne. D'accord. Et une fois vide, on va aller à Saint-Malo, au port à Saint-Malo. Sympa ! Voilà. Ouais, on va aller charger des pulpes de betterave. D'accord. Voilà. Là en fait, ton camion ce matin était prêt, t'es parti directement avec. Voilà, ouais. D'accord. Donc là, le blé, on l'a chargé chez nous, comme on stocke, donc au transport Piron. De ce week-end et puis ce matin voilà je suis parti avec pour livrer dans la coopérative à Montauban. Ok, donc là on arrive au premier lieu de déchargement. Au premier lieu de déchargement, oui. Allez, bon bah on y va, je te suis. C'est parti. Donc là je vais m'équiper, je vais mettre mes deux pays. Tu t'équipes et puis alors je suppose que tu vas débâcher là pour livrer les céréales. Voilà, pour pouvoir prendre l'échantillon, la prise d'échantillon pour le réceptionneur. Il prend un échantillon là ? Oui, il va me prendre un échantillon, oui. Pour l'humidité du blé et le PS, donc le poids spécifique du blé. Et ensuite pour savoir dans quel silo il va mettre ça. Et... Donc là, pour débâcher, comment ça se passe ? Et ben là, j'ai une perche et je vais enlever tous les élastiques sur le côté. Ok. Et au niveau de la bâche, c'est pas automatique, t'es obligé de monter ? Ouais, je suis obligé de monter, ouais, c'est manuel, ouais. Bon, c'est simple, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique ? C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, c'est sûr. Hein. Ouais. Aujourd'hui, en automatique, ça doit être plus simple, mais enfin, je connais pas, donc... Ouais. Mais ça va, ça se fait assez bien quand même. Ok, ça marche à la 3, ça roule, merci. Donc là, tu vas ouvrir l'arrière, c'est ça pour le... Ouais, je vais ouvrir les trappes pour pouvoir vidanger la benne, quoi, vider la benne. Ah oui, là, il y a carrément une fosse impressionnante. Ouais, c'est un grand trou, voilà, ouais. Et du coup, le blé va tomber dedans. Ouais. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu conduis quoi comme camion pour faire ta mission du jour ? Voilà, du coup, je roule avec un Volvo FH 500
et Isai, donc les derniers moteurs de chez Volvo. Ouais, les derniers modèles, ouais. Ouais, derniers modèles, voilà. Il y a combien de temps que tu l'as, celui-là, alors? Oh, celui-ci, ça va faire 7 mois, 7-8 mois. Ouais, c'est assez récent, ouais. Ouais, voilà, ouais. Il a 80 000 km. Donc c'est récent, ouais. Ouais. Et on peut déjà mesurer déjà une bonne baisse de consommation, ouais, comparé à l'ancien. À la version d'avant. Donc précédente, ouais. À peu près du combien En général, ouais, je pense qu'on gagne facilement, sans dire de bêtises, suivant ce qu'on fait, mais on gagne par rapport à l'ancien modèle 3-4 litres. Tu roules sur toute la France, voire plus peut-être, non? Ouais, la France principalement, et autrement, de temps en temps aussi, la Hollande, Belgique, Allemagne. Ouais. Et ça se passe bien pour toi, le fait de partir la semaine Ouais, ça va, ouais, ça se passe bien. Bah, c'est une habitude, ouais. Une habitude, un rythme de vie. Et puis, j'ai une femme qui connaît un petit peu le milieu. Elle a été chauffeur aussi pendant 5 ans. D'accord. Donc, elle connaît le milieu. Oh, ouais, ça peut aider, en effet. Ça aide à comprendre un petit peu la passion aussi, quoi. Ouais. Ça te fait faire quand même pas mal de kilomètres, ça, en moyenne. Dans une semaine, on peut tourner entre 2009 et 3003. À peu près, quoi. C'est une variante, quoi, suivant ce qu'on fait, mais oui, environ 3000 km. C'est une moyenne. Donc là, on rentre carrément dans le port là, de Saint-Malo. Là. Donc, c'est quoi? Les bateaux arrivent là avec toute la marchandise. Voilà, c'est déchargé. Ouais. Et soit c'est livré directement dans les camions ou alors dans les. Voilà, ou c'est stocké dans les hangars. Et ouais. C'est ici qu'on va s'enregistrer? Voilà, c'est ça, ouais. Et là, tu vas charger quoi, du coup? De la pulpe de betterave. Bonjour. Bonjour. Là, tu sais quel hangar tu vas? Ouais, donc du coup, elle m'a dit magasin J. Bon, on va regarder un petit peu où est-ce que c'est. Ah bah, c'est juste là. Le J à côté, là, voilà. Très bien. Alors Stéphane est en train de faire son chargement de céréales. Alors j'en profite pour dire un petit mot justement sur l'exploitation céréalière. Alors je ne voudrais pas être chauvin, mais la France occupe quand même la première place en Europe. Chaque année, c'est environ 70 millions de tonnes, hormis le riz, qui sont donc récoltées sur une superficie de 9 millions d'hectares. C'est la plus grande superficie de l'Union européenne, donc autant dire que c'est un très gros marché. Alors bien entendu, avant d'arriver dans nos assiettes, il faut transporter toutes ces céréales, généralement vers des coopératives agricoles. Et c'est là qu'intervient notre ami Stéphane. Allez, je crois qu'il a terminé, on va le rejoindre. Là, alors on a chargé un Saint-Malo et on retourne où vider la marchandise? Et ben là, on va retourner à Montauban de Bretagne, une autre coopérative que celle de tout à l'heure. Quoi. D'accord. Voilà, ouais. Oui, parce que là, on est en Bretagne, on fait. Aujourd'hui, c'est que du régional, mais il y a quand même pas mal de coopératives dans la région. Là. Ah oui, il y a beaucoup de coopératives en Bretagne. Ouais. Oh, il y en a un peu partout, ouais. Eh bien, la journée arrive à sa fin. Je suis ravi d'avoir passé la journée avec toi, Stéphane. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience et ta bonne humeur. Ouais, merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Alors, merci à vous tous également. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je tenais à vous en remercier. Alors, cette immersion dans le transport de céréales est terminée. J'espère que cela vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt donc pour un nouvel épisode de My Job, My Truck. Et je vous dis allez, ciao, salut. Ciao.